Aujourd'hui, je reçois une guerrière. C'est une artiste que vous connaissez bien, mais c'est aussi une jeune femme qui s'est battue pour la survie de son bébé, opérée pour une maladie cardiaque à l'âge de 4 mois seulement. On est très heureux de la recevoir aujourd'hui au Figaro. Bonjour Natacha Saint-Pierre. Bonjour. Merci d'être ici. On connaît évidemment la chanteuse que vous êtes, vos succès, Je n'ai que mon âme, Un ange frappe à ma porte, et évidemment, Tu trouveras en duo avec Pascal Obispo, pour ne citer que ces titres-là. Mais on connaît moins la maman que vous êtes devenue il y a quelques mois. Le 13 novembre 2015, pour être précise, vous avez mis au monde un petit garçon qui a dû subir une opération à cœur ouvert à l'âge de 4 mois, une épreuve difficile dont vous témoignez dans un ouvrage, Mon petit cœur de beurre. Pourquoi avoir choisi de livrer cette épreuve intime et personnelle auprès du public ? En fait, quand on m'a proposé de faire ce livre, au départ, j'en ressentais pas le besoin. Et je me disais même que ça allait être compliqué parce que je ne suis pas auteur à la base, donc que je n'allais pas arriver à faire cet exercice. Et je me suis dit, depuis quelques mois, je cherche une façon de remercier la vie, d'avoir fait que les choses se passent ainsi, tous les gens qui ont été sur ma route. Et si la meilleure façon de remercier n'était pas d'aider à mon tour et d'aider d'autres familles qui peuvent traverser des parcours un peu similaires, en leur racontant le mien, qui en plus est porteur d'espoir parce que l'histoire se termine bien. Et Dieu sait que l'espoir est important dans ces moments-là. Et c'est comme ça que je me suis lancée à l'écriture de ce livre. Alors on y reviendra sur cette fin heureuse. Vous avez appris la maladie de votre fils quand vous étiez enceinte de 5 mois. C'est une cardiopathie congénitale et puis précisément la tétralogie de Fallot. Alors qu'est-ce que c'est que cette maladie qui est une maladie grave? En fait, de quoi s'agit-il concrètement? En fait, une cardiopathie congénitale, c'est un grand mot pour dire une malformation cardiaque. Un enfant sur 100 naît avec une malformation cardiaque. Par contre, il y a tellement de malformations cardiaques différentes que chacune d'entre elles est une maladie rare. Et la tétralogie de Fallot est l'une d'entre elles. Et pour faire simple, parce que je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous donner tous les détails, mais un cœur est séparé en 4, 2 oreillettes en haut, 2 ventricules en bas. Dans la tétralogie de Fallot, la séparation entre les 2 ventricules est inexistante ou brisée. Et il y a un rétrécissement de l'artère pulmonaire, donc 2 malformations, et les 2 autres sont des résultantes de ces 2 premières-là. Donc il y a un déplacement de l'aorte, et il peut y avoir aussi un problème avec la valve pulmonaire, la valve de l'artère pulmonaire. Quand on sait que son enfant est en danger dans son ventre, quand on sait également qu'il a un risque de mourir à sa naissance, comment on vit sa grossesse jusqu'au terme ? Ben évidemment, avec beaucoup de questions, d'angoisse, de peur. C'est la peur de l'inconnu aussi beaucoup. Parce que quand on est enceinte ou quand on vient d'accoucher, on pose, les filles, beaucoup de questions à nos mamans, à nos sœurs, à nos amis. Toi, quand tu étais enceinte, toi, et comment ça se passait ici ? Et moi, quand j'ai appris la maladie de Bichente, j'étais enceinte de 6 mois déjà, je pense. Et du coup, je me suis retrouvée avec plein de questions, mais personne qui avait le même vécu à qui les poser. Et c'est une des motivations aussi de ce livre-là, c'est que certaines questions, vous trouverez les réponses dans le livre. Vous êtes passée par des phases extrêmement angoissantes, où vous vous imaginiez en train de perdre votre enfant, de subir ce qu'on appelle un accouchement thérapeutique, c'est-à-dire de mettre au monde un enfant mort-né. Ces passages-là, ces périodes-là, comment vous les avez vécues et surmontées ? Mon Dieu, je les ai surmontées en avançant une journée à la fois. Et je les ai vécues en ayant peur, en fait. Le vrai mot, je pense que c'est ça. On a plus peur qu'être triste ou que... La vraie émotion, c'est la peur de ce qui va se passer, de ce qui risque de nous arriver, de ce qu'on risque de devoir traverser, parce que accoucher d'un enfant mort-né, c'est pas facile. Il y a plein de démarches légales à faire après qui, je trouve, augmentent la douleur. Civil, par exemple. Il est dans le livret de famille. Oui, quand un enfant naît d'un accouchement, d'un avortement thérapeutique, à partir d'une certaine âge de grossesse, on doit déclarer l'enfant dans le livret de famille. Moi, je trouve ça cruel. C'est le tuer une deuxième fois, en fait. Et j'ai envisagé de devoir faire tout ce parcours-là parce que j'avais besoin de me préparer au cas où j'ai à le vivre pour ne pas être complètement démunie au moment de le vivre, pour avoir commencé à construire un semblant de petite force, en tout cas, pour pouvoir affronter tout ça. Malgré tout, j'espérais que les choses se passent le plus positivement possible, mais je me préparais au pire, juste au cas où. Et une chance, je n'ai eu qu'à m'y préparer. Mais c'était déjà émotionnellement très demandant.
Après la naissance de votre fils, vous avez dû attendre 4 mois avant son opération à cœur ouvert. Comment vous avez vécu cette période d'attente, cette période particulière où on ne sait pas jour après jour ce qu'il va devenir de cet enfant qu'on voit grandir ? On essaie de vivre normalement, sans réellement y parvenir. On pense qu'on y arrive, et c'est après, une fois que les choses vont bien, qu'on se rend compte qu'en fait, notre vie était entre parenthèses. J'essayais de faire comme si j'avais un bébé normal, en santé, que tout allait bien. Je faisais comme les autres mamans. On se baladait dehors avec mon mari, avec le petit. On allait voir des amis. Enfin, on essayait d'avoir une vie normale. Mais chaque soir, en lui donnant mon bain, la réalité me rattrapait parce que chaque fois que je voyais son petit torse nu, je me disais... Ah, dans quelques mois, on va couper mon bébé en deux. Mon pauvre bébé, est-ce qu'il va avoir mal? Comment ça va se passer? Est-ce qu'il va survivre à ça? Et même si j'avais réussi à vivre dans mes illusions pendant toute la journée, le soir, à chaque fois, revenait cette hantise-là de perdre mon enfant. Finalement, l'opération se passe bien. Votre petit garçon rentre à la maison. On apprend dans ce livre, dans lequel vous confiez beaucoup de choses très personnelles sur vous, que vous n'avez jamais eu envie d'avoir un enfant et que même votre grossesse, vous l'avez mal vécue, indépendamment de la maladie de votre enfant. Ce rapport particulier, jamais dit par rapport à la maternité, surtout par rapport à une célébrité comme ce que vous êtes, ce qu'on voit dans les magazines, des femmes enceintes, connues, qui affichent une maternité épanouie, vous ne l'avez pas vécu comme ça et vous l'affichez tel que. Ce rapport-là particulier, est-ce qu'il vous a quand même pas donné un sentiment de culpabilité vis-à-vis de la maladie de votre enfant? Oui, évidemment, on cherche des réponses partout quand notre enfant est malade et on perd un petit peu, je pense, le sens de la rationalité. Oui. Et du coup, il y a des moments où je me suis dit peut-être qu'en fait, c'est de ma faute s'il est malade parce qu'il a senti que j'avais pas envie d'être enceinte. Alors qu'il y a des jours où j'avais envie et il y a des jours où j'avais pas envie, où j'avais trop peur, où je me disais comment je vais faire, comment ça va se passer, est-ce que je vais savoir être une maman, est-ce que je vais être une bonne maman. J'ai pas eu, comme on voit dans les films ou comme on voit dans les magazines, ce truc magique qui fait que dès qu'on tombe enceinte, on est épanouie, c'est merveilleux, on est heureuse et tout d'un coup, on sait exactement comment faire, on sait être une maman. Moi, j'ai pas eu ça. J'avais plein de questions, plein d'angoisses et il y a des jours où mes angoisses étaient plus fortes que mon envie d'être maman. Et j'avais envie de le dire parce que quand j'en ai parlé à mes amis autour de moi, je me suis aperçue que dans mon cercle d'amis, j'ai beaucoup d'amis. Il n'y en a que 2 qui ont vécu leur grossesse de manière épanouie. Et je trouve que sur le nombre qu'on est, 2, ce n'est pas beaucoup. Et moi qui pensais être anormale, je me dis en fait, si ça se trouve, je suis complètement normale et on est complètement nombreuses, surtout pendant une première grossesse, à se demander est-ce qu'on est vraiment en train de faire ce truc-là parce qu'on a envie, comment on vit ça? Et du coup, je voulais en parler aussi pour que les autres mamans soient déculpabilisées. Oui, en fait, on est nombreuses, vous n'êtes pas toutes seules. Votre enfant, on peut le dire, est un survivant, vous le dites vous-même dans ce livre. Mais vous aussi, on apprend que vous êtes une survivante. Vous racontez que vous avez failli ne jamais naître. Ouais. Il vous vient de là, de cette histoire-là, votre... Ou cette âme de guerrière que vous affichez, ce talent pour le combat que vous menez au quotidien? Je ne sais pas si ça me vient de là, parce que ce combat-là, c'est ma mère qui l'a mené, pas moi. Quand ma mère a fait ses échographies enceintes, l'obstétricien lui disait que le fœtus était mort, qu'il ne grandissait pas, qu'il fallait lui faire un curetage, sinon elle allait elle-même mourir d'une septicémie. Et ma mère, plutôt que de se plier à cet avis médical, elle a dit non, moi je sais que je suis enceinte et tant pis. Donc elle a fait un truc complètement irrationnel. Je ne pense pas que moi, à sa place, j'aurais fait la même chose. J'aurais cru les médecins. Et il faut savoir qu'aujourd'hui, la médecine a évolué. Croyez vos médecins. Je ne dis absolument pas de ne pas croire les médecins. La médecine a évolué depuis. Et ma mère, ce jour-là, en tout cas, a bien fait de croire en son instinct parce que le fœtus n'était pas mort. La preuve, je suis là. Vous êtes là et même à l'accouchement, elle a eu beaucoup de difficultés. Ouais. Césarienne en urgence, etc. Donc, vous êtes physiquement présente parmi nous. On en est très heureux. Donc, la vie vous a été bénéfique aussi, encore une fois. On découvre par le passé que vous avez mené d'autres combats personnels. Vous révélez avoir souffert d'une grosse dépression après votre 4e place à l'Eurovision, qui était une place fantastique, mais vous l'avez mal vécue. Et vous révélez aussi avoir alterné pendant de nombreuses années des épisodes de troubles alimentaires. Tout ceci est derrière vous, vous les avez surmontés. Qu'avez-vous tiré de ces expériences douloureuses aujourd'hui? Peut-être, je vais appeler ça de la maturité. Une sorte de sagesse, pas vraiment de la sagesse, je pense que je suis trop jeune pour être sage encore, mais une forme de maturité en tout cas, parce que le vieil adage qui dit « ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts », je pense à quelque chose de vrai.
C'est à travers ces combats-là qu'on se construit, on apprend sur nous, on apprend sur nos faiblesses et du coup on devient plus fort. Pendant plusieurs années, moi je croyais qu'être fort c'était de ne jamais tomber. Oui. Et quand je suis tombée donc à l'Eurovision, quand j'ai pas gagné, je me suis effondrée parce que c'était d'ailleurs ma première chute. Et avec toujours être première. Mais j'avais toujours été première. J'ai jamais appris à perdre. Et parce que j'ai jamais fait de sport collectif, entre autres. J'ai toujours fait des trucs individuels et j'ai eu de la chance, forcément. Et j'ai toujours gagné. Et j'ai appris à perdre à 19 ans et c'est un peu trop tard pour apprendre à perdre. Il faut apprendre avant. Donc, je pense que les sports collectifs, les activités de groupe et tout ça sont très bénéfiques pour les enfants, entre autres, pour assurer leur santé mentale future. Mais du coup, maintenant, je me dis que tomber, ce n'est pas être faible. C'est, et vous acceptez d'être faible normal. Aujourd'hui. Oui, j'accepte d'être faible. Et tomber, ce n'est pas être que faible, c'est un parcours normal. La vraie force, c'est savoir se relever. Mm-hmm. Voilà. Vous affirmez que la maladie de votre enfant et les preuves de son opération à cœur ouvert vous ont profondément changé. De quelle façon, Natacha Saint-Pierre, vous êtes transformée aujourd'hui ? Mon Dieu, j'essaie d'être plus calme, plus relative, plus humaine, parce que j'étais très exigeante envers moi-même déjà, mais quand on est exigeant envers soi-même, on l'est aussi envers les autres, et j'avais très peu de compassion. Pour plein de raisons. Et aujourd'hui, j'arrive à prendre du recul, à voir les choses qui sont réellement importantes et les autres qui sont relativement importantes et à avoir plus de compassion envers les gens et à comprendre que chacun fait ce qu'il peut avec les armes qu'il a. Voilà. Évidemment, aujourd'hui, vous livrez dans ce livre un regard très dur sur vous, c'est ce que vous dites là maintenant, que vous étiez dur avec vous-même, mais aussi avec les autres, et vous ne vous privez pas de faire remarquer dans cet ouvrage à quel point les gens avaient une vision de vous qui était assez, assez difficile, parce que vous leur faisiez vraiment... vous étiez exigeante comme un militaire, vous dites à un moment donné. Oui. Ben, je me rappelle que Jean-Jacques Goldman, il m'appelait le petit soldat au Resto du Cœur, et je pense que je portais bien ce nom. J'ai une phobie hein, de l'organisation. J'aime bien quand tout est carré, quand tout... Ça me rassure, en fait. Et au final, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai besoin d'être rassurée. Donc, d'où ma compassion maintenant. Et je me dis qu'on fait ce qu'on peut avec les armes qu'on a et on se rassure comme on peut. Et être exigeante envers moi, envers les autres, c'est aussi une façon de me rassurer. Après... Je suis consciente de mes défauts, ça ne veut pas dire que tous sont corrigés. Hein. En être conscient, ça ne veut pas dire qu'on a réussi à intégrer toutes les bonnes nouvelles habitudes. Mais déjà, au moins, je suis consciente de qui je suis. À propos de carrière artistique que vous évoquiez il y a quelques instants, l'arrivée de votre enfant a placé ce moment-là, cette maternité, ce rôle de mère au premier plan. Votre carrière artistique, elle en est où aujourd'hui ? Elle est au second plan. Je ne vais pas dire qu'elle est au premier plan. Je ne vais pas dire qu'elle est égale avec ma vie de famille parce que ce ne serait pas vrai. Quand on a une carrière dans la musique, ça devient un peu notre vie. Et on oublie que c'est juste un travail, quelque part, ou une passion. J'ai redonné une place, je pense, normale à ma carrière. La place d'un travail, la place d'une passion qui ne définit pas qui je suis et qui ne représente pas tout dans ma vie. Ça reste une passion, ça reste quelque chose que j'aime, ça reste quelque chose que j'ai envie de faire, mais ce n'est pas moi. Vous comprenez que c'est assez original, on va dire, d'avoir ce discours-là pour une personnalité, une célébrité comme celle que vous êtes ? Je ne sais pas si c'est original. En tout cas, j'espère que c'est plus sain comme façon d'aborder la vie que de mettre tous ses œufs dans le même panier et de faire de sa carrière son œuvre ultime et l'entièreté de sa vie. Est-ce que ce n'est pas la raison à ce raisonnement que vous tenez ? Est-ce que ce n'est pas parce que, comme vous le révélez dans le livre, le fait de n'avoir jamais été à l'aise avec le milieu du showbiz, avec les mondanités parisiennes, vous êtes d'ailleurs expatrié dans le sud-ouest de la France pour cette raison, est-ce que tout ça, ce n'est pas lié en fait ? Sûrement que c'est un peu lié. Après, moi, je fais de la musique pour m'amuser. Pendant longtemps... Il y a un moment donné dans ma vie, je me suis dit, j'ai absolument pas pris la bonne décision, je voulais pas être chanteuse et je suis devenue chanteuse et en fait je suis passée à côté de mon vrai métier et tout ça. Et avec le recul, je me suis dit, bon, c'est cool, je fais un métier sympa, que j'aime, j'en profite tous les jours, c'est génial. Quel est mon but ? Mon but, c'est d'en profiter, de faire plaisir aux gens, c'est pas de finir dans le Larousse des noms propres. Donc du coup, en partant de ce constat-là, je peux... prendre des libertés et ne pas
partir en musique comme on partirait en religion, par exemple. Mais vous auriez pu arrêter la chanson ? S'il avait fallu, oui. Oui ? Oui, oui. S'il avait fallu, oui, j'aurais fait autre chose. C'est une passion, c'est quelque chose que j'adore faire. Mais si un jour j'ai besoin d'arrêter, pour quelque raison que ce soit, je le vivrai pas mal parce que j'ai compris que je ne suis pas qu'une chanteuse. Voilà. Alors, vous n'allez pas arrêter la chanson et on va le prouver puisque votre prochain album qui sort en octobre s'appelle L'Alphabet des animaux. C'est un projet tout à fait original puisque vous proposez 26 chansons ludiques et éducatives qui concrétisent, on va dire, ce changement que vous avez amorcé, cette décision de vouloir faire les choses à votre façon. Je vous propose qu'on en écoute un petit extrait. Ça s'appelle « C'est la chanson du chat ». Oui. Il les craque quand c'est un bon comédien. Clopin, clopin, il joue, il va, il vient. Il fait des bonds, il cavale et il chute. Sur internet, c'est le roi des culbutes. À la maison, il fait le coup du charme. Aucune chatouille jamais ne le désarme. Ce chérubin se cale pour en René. Et dans ma chambre, il adore chahuter. Donc c'est clairement un projet destiné aux enfants. Oui. Après, vous pouvez aimer ça en tant qu'adulte, mais vraiment, le public cible, ce sont des enfants. D'accord. Vous n'avez pas peur de dérouter votre public, justement, même si c'est un projet tout à fait particulier, qui est très ciblé, évidemment. Enfin, sûrement un peu, ça va les dérouter. Évidemment, ça ne va pas parler à tous mes fans, mais c'est bien aussi de faire des projets un peu plus larges, de voyager ailleurs. Et je reviendrai, d'ailleurs, en 2018 avec un album pour adultes. D'accord. Mais me permettre ce genre de parenthèse-là, c'est aussi important. Pour mon plaisir. Voilà. Évidemment. Le public aura remarqué également votre nouvelle coupe de cheveux, oui. Très inspirée de Louise Brooks. C'est évidemment par choix personnel parce que vous êtes très attachée à la période des années 20. Ouais. Mais j'ai entendu dire que c'était aussi pour les besoins d'un projet artistique futur. Vous pouvez nous en dire plus ? Le prochain projet pour adultes est un projet qui tourne autour de ces années-là, 20-30, parce que je suis très fan de cette époque. Et j'avais envie d'essayer de me mettre physiquement dans le look de l'époque et je l'ai fait bien avant la sortie de l'album parce que bon, comme vous l'aurez remarqué si vous avez vu toutes mes pochettes d'albums en carrière, j'ai une certaine passion pour les changements de couleurs et de coupes de cheveux, ça m'amuse. Et du coup, j'ai testé tout de suite, est-ce que ça fonctionne ou pas et je pense que ça fonctionne, enfin ça me plaît bien. D'ailleurs, parmi toutes les coiffures que vous avez pu tenter, il y en a une en particulier que vous préférez ? Je pense que dans le moment présent, je préfère toujours celle que j'ai. Il y en a une que j'ai absolument pas aimée. La première. C'est la première. Après, les autres, au moment présent, elles me plaisent toujours. Vous avez les cheveux rouges. Rouges. Et c'est surtout quand je revois les images de moi à l'Eurovision, j'ai l'air d'avoir 40 ans. Alors que j'en ai 19, quoi. Donc, c'est pas toujours des réussites, mais l'important, c'est de s'amuser. Ce projet, ce sera un album ou c'est une comédie musicale ? C'est un album, c'est un album. Vous avez dit que vous souhaiteriez faire une comédie musicale de nouveau avant vos 40 ans. Oui, tic-tac, tic-tac. Bon, si c'est 42, ce sera 42. Hein. On ira vous voir en tout cas. Natacha Saint-Pierre, on vient à votre fils, qui va avoir 19 mois. Oui, j'ai cru que vous alliez dire 19 ans, mais ça m'a fait mal. Est-ce qu'il est guéri aujourd'hui ? Oui, il est considéré en cure complète. Parce que les malformations cardiaques ne sont pas comme certaines pathologies cardiaques. Dans certains cas, on peut opérer et guérir complètement le cœur de sa malformation. On restera sous surveillance toute sa vie, mais on n'est plus un patient à risque proprement parlé. D'où mon nouveau combat, entre autres, qui est de faire reconnaître un statut à ces jeunes patients-là qui sont en cure complète. Vous êtes engagée pour ce combat-là auprès de l'association Petit Cœur de Beurre qui a d'ailleurs donné son titre à votre livre. Vous en êtes la marraine. Oui. Vous pouvez expliquer pourquoi vous avez mis votre célébrité à son service. Alors, Petit Cœur de Beurre est une très belle association qui travaille entre autres en partenariat avec l'ARCFA, qui est une association de médecins créée par des médecins qui, elles, s'occupent de la recherche. Et à côté, il y a Petit Cœur de Beurre qui va s'occuper des familles, de la vie des familles, du confort à l'hôpital, va aussi aider par des financements le confort de travail des personnels hospitaliers. Mais le but, c'est d'être présent pour les familles, pas d'un point de vue médical, mais d'un point de vue humain. On a une psychologue qui nous accompagne évidemment dans toutes ces démarches-là. Les bénévoles qui vont aller voir les familles en chambre sont des familles qui ont vécu la même chose, parce que c'est important de parler avec des gens qui ont vécu la même chose que nous. Mais tous auront été validés évidemment par des psychologues. Et on va faire plein d'activités différentes pour, et de, je cherche le mot, mais de...
d'action voilà, pour aider aux familles, que ce soit les enfants malades, le reste de la fratrie, les parents qui vivent ce drame-là, de vivre les choses dans les meilleures conditions possibles. Natacha Saint-Pierre, ce sera ma dernière question. Dites-vous toujours que la journée facile, c'était hier ? C'est une façon de voir que j'ai tendance à avoir envie de changer. J'aurais envie de dire la journée facile, c'est maintenant. Comme ça, on voit chaque jour comme une journée facile et non comme une journée difficile. C'est votre père qui vous disait ça ? Ouais, c'était une façon de dire les épreuves seront toujours sur ta route. Mais tu vois, hier, tu as réussi à les vaincre, alors tu vas être capable aujourd'hui encore. Je pense que j'ai envie d'adapter cet adage-là aujourd'hui, de dire la journée facile, c'est maintenant. Parce qu'on en a vécu des épreuves et si on prend les journées au moment présent avec un peu de recul, normalement, on devrait être capable de se rendre à demain. Merci beaucoup, Natacha Saint-Pierre, pour cet entretien. Je rappelle le titre de votre ouvrage, « Mon petit cœur de beurre », c'est édité chez Michel Lafon. Merci encore. Merci beaucoup.